Située à Mongali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos a reçu ce mardi la visite de René Nzita Poati, directeur de NR Services Immobilier et Construction, une société à responsabilité limitée basée à Pointe-Noire. Nous nous intéressons généralement sur les activités que nous faisons, nous nous intéressons à des causes sociales. Aujourd'hui, les circonstances actuelles économiques et politiques nous obligent à nous intéresser à tout ce qui est, tout ce qui relève de l'utile plutôt que de l'agréable. Et nous avons jugé bon de nous joindre aux efforts de M. Ngamwana, qui a la charge, qui s'occupe en fait de la clinique médicale, qui est la clinique médicale spécialisée pour albinos, la première en Afrique centrale. Je pense que c'est très important de le relever, d'aider ces personnes-là à pouvoir s'en sortir, quand bien même certaines s'en sortent plutôt bien. Toucher du doigt la réalité fonctionnelle de cette clinique quelque peu atypique, l'objet de ces jeunes de la diaspora congolaise est d'une importance majeure aux yeux du fondateur de cette structure sanitaire. Johnny Chancel a loué la courtoisie de son hôte. Ce que je veux dire d'abord, c'est de remercier notre hôte qui a pensé à nous, parce que vous savez, c'est très difficile pour nous de faire le travail que nous faisons si nous n'avons pas de personnes comme eux qui peuvent de temps en temps nous visiter et nous apporter quelque chose de leur part. Après quelques minutes d'échange en tête à tête, s'en est suivie la visite guidée de la structure. D'une chambre à une autre, René Nzita Poati a pu mettre l'œil sur des patients, à l'instar de cet homme, 73 ans, atteint de la cécité totale. Il venait d'être opéré du cancer de la peau. C'est une chance pour moi, parce que ça fait 8 ans que cette plaie existe. Ce n'était qu'une petite chose que j'ai pu presser comme ça. Il y a eu un sébum qui est sorti, ça a laissé un petit trou. Et le petit trou s'est aggravé, c'est devenu une plaie. Or, c'était une plaie cancéreuse, je ne savais pas. Un autre cas, celui de Teresa, 21 ans. Elle également bénéficie des services de cette clinique, devenue pour elle une source d'espoir. Je suis en train de recevoir un traitement qui, dans d'autres hôpitaux, qui coûte énormément cher, très 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 cher, voire même des millions. Mais ici, je ne paye rien, ni 25, je prends mon traitement tranquillement et je rentre chez moi. Elles sont nombreuses, ces personnes vivant avec l'albinisme qui reçoivent gratuitement des soins à la clinique JCA. Mais la société est en manque criard des moyens à tous les niveaux pour faire face à ses besoins pressants. Une réalité qui interpelle bien le patron du NR. Ce qui, moi, me choque personnellement, c'est qu'ils ne soient pas totalement accompagnés, alors que c'est vraiment, on touche à l'humain, on touche à la vie, on touche à des problèmes sociétaux, des problèmes d'intérêt général qui touchent à la santé. Nous avons au niveau de la santé un budget qui est très important. Je pense que nous souhaitons que notre visite d'aujourd'hui suscite de l'engouement et pourquoi pas des retours positifs d'autres personnes. Pour matérialiser sa visite ici, René Nzita Poati a remis à la structure un présent constitué essentiellement de polos, de masques et bien d'autres articles. Un geste de cœur qui ne laisse pas indifférent. Moi, le geste reste un geste, et parce que quand on donne, le don est important. Le don rend l'être humain meilleur, et nous pensons que celui qui sait donner ne manque de rien. Cette clinique, nous avons besoin du soutien de tout le monde parce que c'est la seule clinique en Afrique centrale qui soigne les personnes atteintes d'albinisme gratuitement. Donc par conséquent, sans subvention, nous ne pouvons pas avancer et à continuer ce que nous faisons aujourd'hui. En guise de reconnaissance, Johnny Chancel a remis à son visiteur des calendriers personnalisés de l'association. Au terme de sa visite, René Nzita Poati repart avec toutes les informations possibles de cet hôpital avec lequel il souhaite collaborer dans le cadre de la responsabilité sociétale de son entreprise.